Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sympathique où on va parler d'une carpe koi imprimée avec une imprimante 3D, bien sûr. Alors justement, la voilà, la carpe koi imprimée avec la Creality Ender 3 V3 SE. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est juste une petite merveille de technologie qui se règle automatiquement le plateau. Fini les réglages de plateau, tout est automatique. Et puis on a choisi le filament Rainbow Silk de chez Gesson 3D. C'est juste magnifique le résultat. On va aller détacher tout ça, les amis. Alors, ce qui est bien avec cette imprimante, c'est que là, c'est plat. Je te l'ai déjà dit. Et du coup, tu peux poser ton téléphone comme ça. Regarde. Hop. Comme ça, je te montre le détachage. Alors, tu vois, c'est très simple. Hein, avec le plateau aimanté. Et là, voilà, tout simplement. Regardez comme c'est aisé de détacher une impression 3D quand on a le bon matériel. Et heureusement, parce que sinon ça aurait été un peu... Oh là là, même la jupe, elle est partie toute seule. Les amis, ça va être du bonheur de vous montrer ça. Je retourne la caméra. Ne bouge pas, mon ami. Regarde-moi ça, mon ami. Je vais vous les bavurer un petit peu et je te remontre ça propre. C'est superbe. C'est de toute beauté. En plus, articulé. Franchement, c'est superbe, 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 superbe.